Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez spéciale. En fait c'est une vidéo de mon bilan, de mon poids. Donc je vous ai en parlé il y a quelques temps que je faisais attention à ce que je mangeais. Donc j'ai débuté le 1er août. Alors attention, ce n'est pas un régime que je fais, c'est juste un rééquilibrage alimentaire. Donc en gros je vais vous expliquer ce que je fais. Alors on va partir dans le vif du sujet. Il faut savoir que le 1er août je suis montée sur la balance, donc non, on va dire quelques jours avant le 1er août je monte sur la balance et là je vois trois chiffres sur la balance. Donc c'est quelque chose qui m'a fait très, pas très peur, mais qui m'a un peu déçue, puisque c'est pas la première fois où j'essaie de perdre du poids, enfin bref. Donc la première fois j'en avais perdu, mais là j'ai repris, donc trois chiffres. Ces trois chiffres sont 101 kilos, donc là j'ai eu les boules. Il faut savoir qu'en un mois j'ai perdu 4 kilos, ce qui fait 97 kilos maintenant. Donc je suis passée de 101 kilos à 97 en un mois. Je sais très bien que c'est beaucoup, puisque normalement les médecins préconisent plutôt 2 kilos par mois. Normalement, enfin bref, donc là c'est normal parce que j'ai arrêté sucreries, cochonneries et tout, tralala. Donc là, le processus c'est normal que le début je perds autant, mais je sais qu'après je vais galérer. Donc ça, c'est à venir. Ensuite, maintenant, je vais vous présenter ce que je fais, en fait. Alors, je ne fais pas de sport pour le moment, mais oui, j'aimerais faire du sport, sauf que je suis toujours toute seule. J'ai pas d'amis proches de chez moi avec qui faire du sport ou qui ont mon gabarit, voilà quoi, on va dire ça comme ça. Donc, pour le moment, j'essaie de faire attention à ce que je mange avec une application sur smartphone. Donc, moi, je vais vous la présenter en gros, je vais pas vous dire à quoi ça ressemble. Donc, c'est parti. Alors, c'est l'icône que vous voyez, c'est le secret du poids. Donc, je clique dessus. Normalement, il devrait y avoir une pub. Donc, ça, c'est un peu chiant. Donc, voilà. Alors là, vous avez le tableau de bord, le secret du poids. Dessus, vous avez la date. Donc, aujourd'hui, on est samedi, mais vous allez avoir la vidéo le 4, donc dans 2 jours. Et les émoticônes qui sont à côté, donc les petits dessins, vous avez la loupe, vous avez les catégories et vous avez votre panier. Dans le panier, il y aura tous les aliments que vous allez manger tous les jours. Tous les jours, c'est il faut peser ce que vous mangez, surtout au niveau calories. Donc moi, c'est quelque chose au niveau calories. Si on clique sur la loupe, vous allez voir défiler toute une liste d'ingrédients, genre ou de fruits, de légumes, de boissons, tout ce que vous mangez. Alors par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le riz. Donc je vous par exemple sur le riz blanc, ensuite je pèse le riz que je mets dans mon assiette. Donc par exemple là on va faire 105 grammes, on va faire 105 grammes parce que puisque tout est en grammes, on fait ajouter et là lorsqu'on clique sur OK, ça va ajouter à notre panier. Donc moi je vais revenir en arrière, le panier qui est là maintenant, il y a un ingrédient dessus, donc on va voir c'est quoi son panier. OK, j'ai déjà consommé 123 calories sur les 1400 que je me donne par jour, on va dire. Donc je reviens en arrière pour retourner à mon tableau de bord. Et au milieu, vous avez tout ce qui est catégorie. Donc là, je vais cliquer dessus. Et là, vous avez plein de choses. Tout ce qu'il y a dans l'application. Donc les boissons chaudes, les biscuits, les amuse-gueules, l'alcool. Faut éviter l'alcool. Voilà, la charcuterie. Bref, il y a tout, tout, tout. En fait, avec cette application, on peut manger de tout. Mais moi, je préconise, on peut manger de tout. Mais bien, il faut bien manger. Moi, par exemple, je me dis qu'il faut que je mange, normalement pour une femme c'est 1800 calories par jour, sauf que moi je me mets, là vous voyez c'est marqué au milieu sous la date, vous avez 123 et sur 1600, alors moi je me donne 1600 calories par jour. Il faut savoir que vous perdez du poids si vous mangez entre 1100 et 1500 et en dessous de 1500 calories par jour, là vous perdez du poids. Si vous mangez 1500 calories, vous ne perdez et ne prenez pas de poids. Si vous mangez plus de 1500 calories, pardon, là vous prenez du poids. Donc voilà, donc moi j'essaye tant bien que mal de ne pas manger plus que ça.
Ce qui est bien, donc là je vous ai présenté ça, on va essayer d'aller dans le panier, et ce qui est chouette dans le panier, c'est que vous pouvez revenir au jour précédent. Donc hier je n'ai pas compté, mais j'ai fait attention à ce que je mangeais. Donc voilà, vous allez pouvoir voir ce que vous avez mangé hier, avant-hier. Donc avant-hier j'ai fait 1197 calories. Le 30 août j'ai fait quoi, 1400, alors là j'étais à la limite des 1500. Le 29 août, j'ai fait 1163, donc je vais vous faire dérouler ma journée. Donc il faut savoir que tous les matins, je mange 32 grammes de biscottes, ce qui équivaut en gros à 4 biscottes par jour, avec un café noir. Voilà, ça ne représente pas beaucoup, avec du beurre ou de la confiture. À midi, j'ai mangé des haricots verts avec du jambon à poêler. Et en dessert, je me suis pris des pastèques. Et là, j'ai fait ma grosse gourmande. J'ai pris 85 grammes de pain de baguette et j'ai pris de la pâte à tartiner pour 25 grammes. Voilà, j'ai fait ma gourmande. Et puis le soir, je me suis pris une soupe à la tomate. Je me suis resservi deux fois, donc 300, ouais, je me suis resservi 400 ml de soupe avec des biscottes et en dessert un yaourt nature. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Donc à chaque fois qu'on mange quelque chose, qu'on grignote, que ce soit un bonbon, un petit chocolat, un fruit, quoi que ce soit, on le note, on l'inscrit dans le smartphone, puisque le smartphone on l'a. Et puis après, voilà. Moi, c'est comme ça que pour le moment... que je suis le régime. Donc voilà, ça voilà ce qui en est pour l'application. Dans l'application, après vous pouvez tout noter, votre poids, alors le poids, je sais plus du tout où c'est. Alors c'est dans les statistiques. Dans les statistiques, par exemple là je mets 98, mais en fin de compte je suis aujourd'hui, alors j'ai oublié, lorsqu'on oublie, donc on met, donc aujourd'hui je suis à 97 kilos, donc je fais ajouter, et puis après on voit sur combien de temps, donc là je vais mettre sur le mois, donc le mois d'août vous avez vu, j'ai commencé à partir de 500 et ça dégringole, donc voilà, moi je suis quelqu'un qui n'a pas envie d'être mince, ça ne me dit pas d'être mince, je n'ai pas envie de faire la taille mannequin, parce que de toute façon je n'ai jamais fait taille mannequin et j'ai pas envie de ressembler à un mannequin, je me donne environ 80 kilos. J'espère. Je me donne déjà 80 kilos et puis on verra s'il y a du plus, ça tant mieux, mais si j'arrive déjà à atteindre 80 kilos, ça serait génial. Donc voilà. Ça, je vous ai fait montrer en gros ce que c'est l'application. Alors, ce qui est bien aussi avec cette application-là, c'est que l'on peut faire nos propres recettes ou utiliser les recettes que le secret du poids a. Donc là, on va les trouver dans les catégories. Vous avez recette, le secret du poids. Donc par exemple, vous prenez ça et on va prendre au hasard une recette qu'ils ont fait. On va faire poids rôti au four. Donc les poids rôtis au four, par exemple, là, je vous ai mis dessus. Et faudra cliquer sur le petit bouton préparation. Donc là c'est chouette, ils vous disent ce qu'il faut faire, la quantité qu'il faut faire, etc., etc. Donc l'application est très très bien faite. Donc moi je vous invite à aller voir l'application, je vais pas la détailler puisque c'est l'application là que j'utilise, mais que je connais pas à 100%. Voilà, je fais ce que je peux avec cette application. Maintenant je sais très bien que il faut faire du sport. Mais je ne suis pas très sportive, pourtant j'ai de quoi faire à la maison, j'ai un tapis de course, j'ai des choses pour faire des abdos, j'ai un stepper, j'ai de quoi faire du step, etc. Mais vraiment au niveau sport, je ne suis pas motivée. Mais je ne dis pas que je ne vais pas en faire, parce que je ne vais pas non plus vous dire que ça ne se fait pas, quoi. Voilà, je ne vais pas vous dire non plus qu'on ne fait pas de sport, qu'on peut perdre du poids sans du sport, etc. Parce que pour raffermir toute la graisse, voilà, il faut vraiment faire du sport. Donc voilà. Pour mon bilan, pour le moment, il est positif. Et puis... J'aimerais dire un grand merci à Céline. Enfin, c'est une fille que j'ai connue sur Facebook et qui est devenue une amie, donc on s'envoie des petits cadeaux, etc. Donc depuis le 1er août, elle m'aide, on s'entraide, alors qu'elle habite loin de chez moi, elle est dans le nord, moi je suis sur Lyon, donc vous voyez le truc. Donc j'aimerais lui dire plein de merci, j'aimerais aussi remercier mes abonnés qui se reconnaîtront, qui m'encouragent pour la perte de poids. Ça me touche, tous les messages que je reçois, ça me touche énormément. Je suis vraiment entourée de belles personnes, même si ça reste...
comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux, même si ça reste sur les réseaux sociaux, voilà, je suis entourée de belles personnes, de bons abonnés qui sont toujours là en train de m'encourager. Tous vos messages que je lis en disant bravo, bon courage, on t'encourage, viens, on va le faire ensemble. Tous ces mots, tous les jours j'y pense. Des fois j'ai envie de craquer et tous les jours j'y pense. Il y a tes abonnés qui croient en toi, donc voilà, il y a tes copines qui croient en toi, il y a, voilà, il y a tes amis, etc., etc. Donc j'aimerais dire un grand merci. Donc pour le moment, le secret du poids, ça fonctionne pour moi. Je sais que le sport, ça devrait fonctionner, puisque normalement mes jumeaux devraient reprendre la halte garderie. Donc je pense que le lundi, je vais faire du sport, donc je pense que je vais... me garder cette demi-journée-là pour pouvoir faire du sport. Donc voilà, mon premier bilan, c'est ça. Oups, je tiens à m'excuser, il y a eu un petit problème technique là. J'ai essayé de rétablir du mieux que je peux. Alors, je vais vous parler donc de mon bilan. Je tenais d'abord à vous dire que je ne suis pas une pro de l'application Le Secret du Poids. Je l'utilise depuis un certain temps, donc voilà, je ne suis pas une pro, je ne donne pas de conseils. Je vous donne juste mon bilan et surtout ce que je fais. Donc voilà, mon bilan, il est tout simple. Je suis passée grâce à l'application Le Secret du Poids de 101 kg à 97. J'espère continuer dans cette lignée-là. Donc voilà, voilà en gros le bilan. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me poser des questions sur l'application si vous voulez, sur mon état, etc. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas. Tout conseil est bon à prendre. Si vous avez des idées de recettes, dites-les moi aussi, en sachant que j'ai le Cookéo et que dans le... comment on appelle ça, que sur internet j'ai trouvé aussi des recettes à faire avec le Cookéo, des recettes Weight Watchers. Donc peut-être des futures vidéos sur ça, c'est pas en projet, mais pourquoi pas, on verra bien. Donc voilà quoi, tous les conseils sont bons à prendre. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, n'hésitez pas, ça serait chouette de s'échanger des trucs comme ça. Donc sur Facebook, je suis disponible aussi sur ma page. Donc en cas où vous voulez qu'on en parle ou je lance une animation sur sur ma page, n'hésitez pas, on pourra discuter, s'entraider ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu. Enfin, elle m'a plu. J'étais contente de partager ce moment-là avec vous. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.